my friend. Today we are in Tangkok, une des destinations les plus impressionnantes ici au Vietnam. Je crois que j'ai jamais vu un endroit aussi beau. J'ai dit ça tellement de fois et je vais le dire encore une fois. Attendez, on va y aller. Il faut vraiment voir ce cadre. Regardez-moi ça. Et il pleut, il y a une petite pluie. Regardez. C'est impressionnant. Hello. Hello. C'est pas impressionnant, regardez. C'est le truc le plus génial. Donc voilà, pour 8 euros, vous avez pour votre argent, je peux vous le dire. C'est Tangkok, aujourd'hui c'est notre deuxième jour après avoir fait la première journée dans les environs. Attendez, il n'y a pas assez de lumière, attends, on va sortir. Hop là, là vous me voyez mieux. Donc après avoir fait le tour un petit peu de la ville, là on est rentré dans le vif du sujet, on a vu un temple le matin. Et maintenant on fait le tour et après... la destination la plus, on aura la plus belle vue. Je vous laisse ça une surprise. Il va falloir continuer à regarder le vlog. Keep watching that. 24 heures plus tôt, on était dans le ferry. On quitte l'île de Cat Ba pour Tam Coc. L'un des grands points positifs au Vietnam, c'est qu'il est très facile de se déplacer. Les bus sont disponibles, faciles à trouver et le prix est abordable. 13 euros pour le bus, inclus le transport en ferry. On passera le reste de la journée dans un petit hôtel isolé sans l'être vraiment dans la ville de Tam Coc. On fera un tour complet de l'hôtel dans le prochain épisode. J'ai pas trouvé un touriste. On est au milieu de cette putain de beauté. On est dans le village de Tam Coc à Ninh Binh. C'est franchement cool. Regardez, les gens sont vachement sympas. Il y a quelques touristes en moto. Mais c'est une ville où il n'y a pas grand monde. Et là, je suis au 30 mai. Ça va pas bien. Là-bas. Tin. Et c'est là-bas où on ira demain. Allez, let's go. Très bien. Au revoir. Au revoir. Viens ici. Qu'est-ce que tu as dit ici? C'est un chien. Alors, monsieur Amin Hamri, avec, si tu sais jouer, enfin, si tu sais faire du vélo comme tu sais nager, ça serait très bien. Il y en a qui ne sait même pas, il y a un peu qui sait comment il conduit un vélo. Je sais que le bébé, mais ce qu'il est talent, c'est exactement ça. Donc, il faut jouer, mais le croire. Bon, j'ai la caméra embarquée, vous pouvez juger par vous-même. Mais vous allez voir la différence entre lui et moi. Venez. Tu prends la caméra et tu filmes en même temps. Allez, je vais. Allez, vas-y, on le fait. Je prends le GPS. Nesseline se charge de Google Maps, évidemment, elle est nulle. On s'est perdu pas mal de fois. On s'est encore une fois trompé de chemin. Voilà qu'il est poids lourd. Une drôle, vu qu'on n'a aucun poids lourd. Allez, go! Donc un petit break, on a acheté des jus pour continuer notre route. Il s'est cassé la gueule. Oui, je me suis cassé la gueule. Il est tombé trop. Non, une fois. Je suis tombé qu'une fois. C'est le sens de l'exagération. Journaliste donne souvent des chiffres qui sont pas corrects. Hein. C'est quoi? Aïe, viens. Allez, suis.
On est presque arrivé. Donc on s'est arrêté devant ce superbe spot. Du coup, on a conduit pendant une heure et demie. Oui. Donc on va y aller pour prendre une photo ici. Vraiment, il n'y a personne. Donc on va profiter pour prendre une belle photo. Non. C'est magnifique. On va prendre une photo ici. Photo. Donne. Et là, premier arrêt. Trangan, un temple qui se trouve à l'intérieur de la forêt. D'une végétation luxuriante. C'est quand même sublime. Mais il fait une chaleur. Donc là, on est pris pour aller prendre des photos. On est les seuls touristes avec deux Allemands. Donc vous voyez, là on est arrivé au temple. Il est fermé. Et on ne peut pas rentrer avec des... Il faut être couvert, comme une mosquée. Il faut être couvert pour rentrer dans un temple. Mais regardez, ce temple entier est construit à l'intérieur d'une énorme, énorme hajar. Une énorme pierre de pièce de calcaire. Donc, après avoir marché juste là où on était, le temple c'était juste à 200 mètres. On arrive devant le Trangan, le fameux grand temple, qui est ici. Et on voit tout de suite la différence. Énormément de touristes comparé à là où on était avant où il y avait presque personne. Après cette trempée de chemin, fait quelques arrêts, on arrive au bon endroit. Mais voilà qu'une pluie battante nous empêche de prendre la barque. On passera 40 minutes à attendre avant d'aller voir un resto à l'intérieur du site touristique. Premier réflexe, ça doit coûter un rein de déjeuner ici. Mais au fait non, c'est aussi abordable que la street food. So this is crispy tofu. Et vas-y, good. Alors? Ah oui, c'est cool. Mellement. Le déjeuner nous a coûté 5 euros pour deux personnes, soit 2,50 euros par personne. Welcome to Trangan, boat station. Ah, oh, ok, thank you. So, we have to buy ticket. Tour number two. Tell us between this one. Chizen. Chizen? What? Chizen. Ah, Chizen, okay. 200. Okay, 200. Okay, tour number two. Number two, okay. Yeah. In number two, we have a King Kong. King Kong. Yeah, King Kong. Yeah. Number two. Number two. Okay. So, thank you. Thank you. This is one ticket? Ça, c'est le ticket de géant. La barque est pour 4 personnes. On s'est fait choper les deux places d'avant par deux Israéliens. Mais on va pas se laisser faire. On va être à l'avant. On va chaud. So, c'est parti pour 2h30 de bateau. Algeria. Algeria. North Africa. Africa.
après, faire très nuit. Waouh, qu'est-ce qu'il fait chaud. Yeah. Waouh. Là-bas. Végétation locale. Que demander de plus? Chaque fois, on est un peu plus impressionné. Un superbe temple à l'intérieur. Alors, tout le monde rame sauf nous. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Regarde, il y a quelqu'un qui rame. Non, il vient d'arrêter. Il vient d'arrêter. La preuve à l'appui, donc du coup, entre les paroles et la vidéo, il y a quoi? Ah, non, elle vient d'arrêter. Je vous assure, il sait même faire du kayak. Apprends à faire du kayak, mec. Après ça. Ouais, je vais couper tout ça, tu peux. Mais c'est pas bien grave. Là, il y a un accès en bleu, un de le plus cool de toute l'histoire. Sur la rocade, et à ce tout. C'est tout ce qu'il fait. Il a fait une sieste. Après, là, on est passé pour une deuxième fois. Là, il s'est réveillé, il est en train de contempler. Donc, voilà. Du coup, il est payé à contempler le paysage. Et ça, je crois que c'est le job le plus cool. Le plus cool au monde. Moi, j'aimerais bien travailler comme ça, avoir ce job-là. Alors, on a visité pas mal d'endroits où il y a tourné les films, mais bon, King Kong, ici, à Tamkok, dans Trengan, c'est vraiment un truc de malade. Alors, petite information, si vous voulez venir ici, l'entrée vous coûtera 8 euros. Vous avez pour 2h30 de bateau, vous avez 3 arrêts. Nous, on a choisi le tour 2, car le tour, c'est le tour le plus impressionnant. Après avoir fait quelques recherches. Donc moi, je vous conseille le tour 2. Vous avez 3 arrêts. Et là, on est au 3e arrêt sur l'île de King Kong. Tentative de suicide, Amine. Oui. Khalas, Amine, pourquoi prendre des risques pour rien? Il y a un win en Kalaya. Oui. J'aurais un win. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, à Tamkok, à Trengun. Trengun ou Trengun? Trengun. Ah, merci, Amine. J'ai du mal. Bienvenue dans Bienvenue. Donc, c'est l'équivalent de 8 euros. 8 euros. J'ai du mal avec les chiffres un petit peu aussi. Je suis une femme, c'est un peu normal. On est là juste pour dépenser de l'argent, non, je rigole.